principe de base dans les Violons d'automne, c'est qu'on demeure un événement provincial, qu'on favorise des artistes du Québec, mais différentes origines ethniques souvent. Comme là, Brigitte Dachner, ben, c'est une Roumaine qui nous apporte de la musique zigane. On peut avoir même de la musique techno encore avec Eric Speed. C'est des valeurs sûres parce que c'est du monde qu'on a déjà vu au Violon d'automne, qui nous ont bouleversés. On a quand même des découvertes à chaque année, comme Marie-Christine Roy, qui est une femme de Québec qui est très dynamique. Mm. Nous apporte un jazz très jazz, avec des belles lignes d'improvisation de violon. Mm. Puis on demeure aussi bien ouvert à toute la tradition avec le gala des violonneux qui s'en viennent samedi maintenant, qui ne sera plus le dimanche. OK. Pour pouvoir compléter le gala des violonneux qu'on avait essayé l'année passée, la danse traditionnelle le dimanche soir, mais on pense avoir on a eu quand même une bonne participation, c'était bien apprécié, mais en faisant la danse traditionnelle le samedi soir après le gala, ça va permettre à nos violonneux de s'attarder un peu. Faire danser le monde après. Et c'est ça. On a un orchestre de danse après. C'est Claudie Nortin qui va nous faire ça. Il y a toujours la musique classique qui est présente à l'église. Mm-hmm. Là, c'est semi-classique. Le concert samedi soir, c'est la musique des compositions du groupe Corps d'âme de Jean-Félix Mailloux. C'est semi-classique. C'est comme un quatuor à cordes avec percussion et guitare. Donc, on rajoute percussion et guitare. OK. Une musique classique contemporaine. Très intéressant, il était déjà venu, puis il y a un nouveau produit, puis il voulait revenir. Il y a même souvent des artistes veulent revenir. Comme là, on a un groupe de la relève très intéressant qui, de Québec qui font de la musique traditionnelle qui s'appelle Jusqu'aux petites heures. Mais ils font pas que du traditionnel. Ils okay. mélangent d'autres styles de musique dans leur affaire. Ils sont quatre musiciens, puis à un moment donné, les quatre peuvent être au violon. Il y a du violoncelle là-dedans aussi, de l'accordéon, de la flûte, des guitares. Donc, les autres vont être assez présents, ils font deux prestations. Le trio de jazz aussi, on l'a mis en fin de concert le vendredi soir et aussi au 5 à 7 le samedi pour permettre à ceux qui ne veillent pas trop tard d'y voir quand même. Mm. On a du jazz à trois endroits, vendredi soir, samedi 5 à 7 et dimanche pour souper aussi au bistro hockey, on a encore du jazz avec une autre formation. Et la clôture va être vraiment grandiose avec le c'est la même violoniste de jazz qui nous vient, là, Marie-Christine Roy. Elle va faire trois concerts finalement. Elle en fait deux avec son trio de jazz, mais elle revient avec Juliette Remond pour faire de la musique klezmer le dimanche soir. Okay. Ça va être la série sur le Sunday. Puis à travers tout ça, on a les jeudis, vendredis, samedi, midi. Il y a des courtes prestations musicales dans tous les restaurants de Saint-Jean-Port-Joli. Et cette année, on revient avec concerts ou initiations musicales dans les écoles. L'an passé, on avait sauté une année pour permettre aux écoles d'avoir d'autres activités. On se disait peut-être qu'ils vont nous oublier, mais la demande est là. Alors, cette année, il y a une dizaine d'écoles qui vont être visitées. Il y a cinq écoles. Il y a huit ateliers de confirmés. Il y a cinq écoles qui ont confirmé qu'ils participaient. Et ça se peut qu'on ait un salaire. Je ne sais pas si on